Coucou les filles, alors je vous retrouve pour vous faire la vidéo sur la My Little Box du mois de blablabla octobre. Donc je l'ai déjà tournée avec mon portable parce que je voulais la mettre tout de suite sur YouTube. Le problème c'est que elle était trop longue et du coup j'ai pas pu la mettre. Donc du coup j'ai dit ça me fait chier, je vais la faire avec le caméscope, enfin la caméra. Donc du coup je l'ai déjà ouverte, alors que quand je l'ai fait avec mon téléphone je ne l'avais pas encore ouverte, tant pis. Donc elle est toujours dans son carton, comme tous les mois. Donc elle s'appelle la My Little Color Box. Donc toujours avec de jolies illustrations, hein, de toute façon ça on peut pas lui retirer. Donc quand on l'ouvre, donc je l'ai déjà complètement défoncé comme vous voyez. Parce que moi je pensais que j'allais pouvoir la mettre. Donc la première chose que j'ai trouvée quand je l'ai ouvert, c'est ce petit carton où il y a marqué For my best friend. Donc I know a girl, she puts the color inside of my world. Donc je connais une fille qui met de la couleur dans mon monde, à peu près ça veut dire ça. Donc c'est une phrase de John Mayer. Donc illustré par Kamako. Donc toujours un joli dessin. Et derrière vous avez donc pour mon ami, vous mettez le prénom et vous lui donnez, il y a marqué qui me console quand je broie du noir et qui m'aide à voir la vie en rose. Donc comme d'habitude les petits gadgets de My Little Box. Mais vous le verrez que ce mois-ci il y avait eu beaucoup de papier en fait. Donc nous avons eu le livre du nouveau concept Little Box. Donc c'est le deuxième, donc moi je les garde en fait parce que quand vous aurez toute la collection ça formera un dessin. Et comme je compte pas me désabonner ce mois-ci parce que comme vous pourrez le voir cette box était plutôt intéressante, et bien je verrai le mois prochain. Donc le livre est basé sur les couleurs en fait. Donc là vous avez du bleu, du vert, là vous avez une page de jaune, ici je crois qu'il y a le rose. Et ici du vert il me semble, du bleu, etc, etc. Donc c'est basé sur la couleur puisque la box est... Ensuite, donc dans le bouquin nous avons eu un échantillon, j'allais dire. Comment on appelle ça? Pas un résumé mais un... une partie du roman de Caroline Dufaux, L'Agenda. Donc bref, je sais pas dire parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Je lirai mais après c'est pas le genre de bouquin qui va m'intéresser, enfin, je pense pas. Ensuite nous avons eu deux petits calepins comme ceci. Donc un avec une dame qui promène son toutou, donc ils sont vides, c'est des petits notebooks. Et un avec des danseurs, donc pareil. Donc c'est bien parce que ce sont des petits formats, donc du coup je vais pouvoir enlever celui qu'on a eu le mois dernier de mon sac et en mettre un des deux. Mais il va pas falloir nous en envoyer trop parce que après, on les utilisera jamais quoi, ça va traîner dans les placards et voilà. On va passer ensuite à ce produit, donc une boisson vitaminée. Donc Vitamin Waters. Donc de 500 ml, donc Vitamin Waters. 500 ml, donc je l'ai ouverte pour goûter, c'est aux fruits rouges et ça manque un peu de sucre mais c'est pas dégoûtant, franchement ça se boit quoi, largement je la finirai, voilà, pour vous dire je vais la boire. Apparemment ça se vend dans le commerce, j'ai entendu dire que ça se vendait à Carrefour notamment, donc bon, j'en rachèterai pas mais je vais la boire celle-ci. Ensuite, donc ça c'est la chose qui m'a le moins plu parce que j'aime pas du tout vous verrez. Donc c'est un foulard rouge avec des pois bleus et je trouve que ça fait clown, on dirait je suis d'accord avec Sinouz34 qui dit dans sa vidéo que ça fait clown. Elle l'a mise autour du cou, elle a fait le nœud du clown et vraiment ça fait clown. C'est pas c'est des pois bleus, c'est pas la couleur, c'est des pois bleus, c'est pas le rouge, c'est vraiment les petits pois, c'est moche. Donc il y a marqué comment l'utiliser dans les cheveux, autour de la taille et autour du cou. Donc moi je pense plutôt utiliser dans les cheveux ou alors autour de mon sac. Donc, voilà. J'aime pas trop. Ensuite nous allons passer au plus important, donc les produits. Alors je dois vous dire que je suis super contente et c'est pour ça que je ne me désabonnerai pas ce mois-ci. Donc là vous avez le menu.
depuis tout petit. Donc nous avons eu un baume de chez Carmex. Donc il y en a qui l'ont eu aromatisé, moi c'est le classique, donc il n'y a pas d'aromatisation, enfin il n'y a pas de goût quoi. Elles l'ont eu à la cerise, moi je sais pas, il a le goût de camole. Je sais pas si vous connaissez la crème camole qu'on trouve à la pharmacie, il a le goût de camole. Et quand vous mettez sur les lèvres, c'est très très frais par contre. Ça doit réparer à mort, donc ça pour cet hiver. Carmex en plus, il paraît que c'est une très bonne marque, j'en ai entendu beaucoup parler. Ensuite nous avons eu, enfin moi j'ai eu, parce qu'il y en a qui ont eu des vernis Sally Hansen, et moi j'ai eu donc un Calvin Klein, donc un vernis Calvin Klein. Donc c'est le 71305, je sais pas si c'est le numéro, mais bon, Cause Red Undead, donc qui est un rouge, un magnifique rouge en fait. Franchement, je suis très contente, il est sublime. Il est très très beau, c'est un 10 ml. La brosse est toute simple, hein. Petite, toute simple. Il n'y a pas de... Voilà, donc ça je suis super contente aussi. Et en dernier, c'est un rouge à lèvres, donc de chez Calvin Klein également. Donc c'est... Moi j'ai eu le Ruby Red. Donc qui est un... Là vous le voyez assez clair, mais il est foncé en fait, il est vachement bordeaux. Ils sont bons en plus. Et donc je l'ai sur les lèvres. Donc il est infini, un peu mat. Je le trouve très très joli. Donc voilà pour cette box. Attendez, j'ai oublié un truc les filles. Le truc super important, franchement, c'est l'un des goodies, du scotch. Donc 3 rouleaux de scotch, donc c'est un peu gadget, mais je trouve ça rigolo. En fait, vous en avez un, je l'avais décollé tout à l'heure pour vous montrer. Vous en avez un avec des gâteaux, des fours, des glaces, des jambes de petite madame, donc la tête ne doit pas être loin. Ici vous en avez une autre petite madame, des petits livres, enfin bon bref. Ensuite vous avez, par contre les autres je ne les ai pas décollés, hein. Bon, je vais juste décoller celui-là pour voir si c'était transparent ou pas. Ici vous avez des petits points de toutes les couleurs. Et là vous avez My Little Box décrit donc dans toutes les couleurs. Donc là pour l'instant vous avez du bleu et du rouge, mais bon je pense qu'en dessous il doit y avoir d'autres couleurs. Donc voilà, j'avais oublié ça, vraiment le plus important. Donc ça par contre c'est très gadget, mais ce sont les goodies, donc bon. Et puis avec les produits à côté, franchement, voilà. Mais bon, moi comme j'envoie, quand j'envoie des lettres, j'aime bien mettre un bout de scotch, au moins ça stylisera un petit peu mes enveloppes. Donc ça, c'est pas méga giga. Comment on dit ? C'est pas super important quoi dans une box. Je veux dire, c'est pas indispensable franchement. Mais bon, ça se boit. Donc. Et puis ils ont vachement bien contrebalancé quand même. Hein. C'est vrai que c'est pas indispensable. Ce foulard, donc à part les poids bleus, il est beau. Enfin, il est pas mal. En plus, il est léger, il est agréable à porter. Mais je ne le mettrai pas autour de mon cou. Petite. Dans les cheveux, comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Avec mes couleurs. Ma couleur noire, ça va. Donc ça, ça va encore. Les produits, bah juste top. Enfin pour moi, hein. Depuis le temps que je voulais découvrir les baumes Carmex, je suis servie. Moi j'aurais bien voulu avoir celui à la cerise. Bon, puis je me l'achèterai. Ça c'est bien, mais il va falloir au bout d'un moment arrêter. Et le petit livre et puis la petite fiche. Ça c'est toujours Little Box qui met des petites choses comme ça. Mais pour le coup, là, c'est vrai que ce mois-ci, on a eu du papier en veux-tu, en voilà. Et là, c'est vrai que ce mois-ci, on n'en a pas eu beaucoup. Et je trouve que, par contre, là, c'est très très bien. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que cette box, ce mois-ci, me convient. Elle me plaît. Franchement, elle me plaît. Ils se sont vraiment bien rattrapés. Du coup, je me désabonne pas ce mois-ci. Et j'attendrai le mois prochain. Donc voilà, les filles, je blablate. Mais bon, vous commencez à être habituées, de toute façon... On ne me changera pas. Donc je vous fais des bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.